Faites quoi, vous, Karine, dans la vie? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Oh, ça c'est sympa. Ah, bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous aimez pas les fruits et légumes bio? Parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. L'autre jour, je suis allé boulevard Raspail, il y avait un marché bio. Un œuf, tu le payes le prix d'un poulet, quoi. N'importe quoi. Ah non, mais si, elle a raison, boulevard Raspail, alors, c'est une catastrophe. Alors, tu vois, c'est trop, des gens. Vraiment, je sais que j'ai rien contre les bobos, parce qu'on est tous, dans notre profession, plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la bourgeoisie, et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon. Eh bien, la bohème, dit tout ça. La bohème, ça voulait dire. Oui, reste sur bon. Et alors donc, c'est la bio, j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bobo. Quoi. Ah oui, pourquoi? Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons de en velours pour montrer que c'est dimanche et que eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimancher. Je crois que Payard fait un tube intitulé La bio haine. Non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, qui ont le cheveu, genre femme de peintre, tu sais, tirer comme ça, des enfants blafards qui poussent des vélos. C'est horrible, horrible, horrible. Et quand tu fumes, ils te font. Mais j'ai envie de leur dire, mais je suis dans la rue. Non, monsieur. Et bon, et, non, je veux dire, on veut lui dire, on aimerait bien, vous, dès que vous venez à Paris, avoir l'exclusivité de vos déclarations et tout ça, la taille. Bon. Mais tu le fais comment? Tu envoies le tweet à qui? Ah, mais tu appuies sur quel bouton? Les gens s'abonnent. C'est un réseau. Les gens s'abonnent. Moi, j'ai déjà, on va dire, j'ai créé le truc il y a une semaine, j'ai déjà 5000 abonnés. Des followers? Voilà, des followers. Voilà, des followers. J'ai 5000 followers qui suivent mes tweets. Et avec les jambes de mademoiselle et votre accolade, Pierre, à mon avis, on va monter à 10 000 followers. J'ai 6000 followers qui suivent mes tweets. D'habitude. Ah, c'est l'égyptien pour toi. D'habitude, on dit, si Albert Camus, si Molière revenait sur Terre, de quoi lui parlerait-on au premier? Ah oui, on lui dirait le disque, la radio, le machin comme ça. Tandis que maintenant, si quelqu'un qui est mort il y a deux jours, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ben, je suis follower de votre tweet. Et il dirait, je suis mort il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. C'est pas possible. Ça va trop vite. Tu comprends ce que je veux dire? Heureusement, c'est toi qui es plutôt con. Tu comprends ou pas? Il est manchot. Mais non, enfin, écoutez, on en a parlé l'année dernière déjà, quand même. Il est tout simplement. Pierre Bénichou revient pour répondre. Il est revenu des chiottes. Bonjour, c'est l'invité mystère. Personne ne m'avait reconnu. Il est. D'autant plus de mérite que c'est dans un pays où personne ne fout rien ou qui touche les dividendes du pétrole assis dans leur fauteuil à bouffer des loukoums. Et lui, il travaille. C'est honteux ce qu'on fait à ce type-là. Je rappelle que c'est le nouveau patron. Hein. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté au repas? Je sais pas, moi j'ai vu passer Oliven tout à l'heure, il avait un turban. Moi j'ai vu Inès de la Fressange avec une burqa. Ah, ça sera peut-être plus facile pour avoir. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Oliven avait un turban. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté au repas? Je sais pas, moi j'ai vu passer Oliven tout à l'heure, il avait un turban. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Oliven avait un turban. Vous avez fait le régiment, vous, Willy? Installez-vous avec nous deux secondes, Willy. Vous avez fait le régiment, Willy? Laquelle? Lequel régiment? Quoi, laquelle? Ben, celui où il y a la colonelle. Alors, celui-ci, oui. Ouais. C'est une grenouille à grande bouche qui se promène dans une ferme. Elle rencontre un cheval. Et le cheval lui demande, je vais vous faire le cheval. Ian, Ian, Ian. Non, ça c'est un âne. C'est l'âne. Moi je fais que ce que je sais faire. Hein. Je veux pas me mettre en avant. Hein. Oui. J'ai loupé des animaux. Hein. Ouais, mais je sais pas, je les fais pas tous bien. Hein. Je fais bien la vache, par exemple, notamment. Ou le chien, waouh. Mais eux, ils sont nuls pour les animaux. Mais il y a forcément des toilettes sur tous les bateaux. Non, sur la plupart. Non. Mais à part les pédalos. C'est le bateau de Florence Artaud, il y a des toilettes dedans. C'est pas un spécialiste. C'est un petit bateau de course. Peut-être qu'il n'y a pas de toilettes. Mais de toute façon, même s'il y avait eu des toilettes, si tant est qu'il y eut des toilettes, et pas dans la gueule du camélia. C'est pas si tant est qu'il y eusse. Bon, tant est qu'il y eut des toilettes, il était beaucoup plus dangereux
de lâcher la barre et de descendre à l'intérieur du bateau que de pisser sur le bas, en s'asseyant sur le bastingage, tout en étant près de la barre. D'accord. Mais comment, voilà. Mais comment il fait le chaton? Non, non. C'est à la salle d'une réunion d'amis. J'avais juré que je ne ferais pas le bateau. Les cris d'animaux. Et la mouette. Oh non. Vous voulez des cris d'animaux? D'accord. Bon, je vais vous en faire. Le cochon. C'est hyper drôle. Au secours, Mayday, Mayday. Le cheval. On est au bord du crash. Bah oui. Bah voilà. Ça y est, en terre inconnue, c'est fini. Hein. Ah bon, pourquoi? Je peux plus supporter. Ah, c'est vachement bien. Pourquoi? Oh, j'ai dit c'est vachement bien pendant des années, c'est formidable, oh, la nouvelle télé, parce que c'est bien, ça sauve le truc. Maintenant, j'en peux plus. Vous êtes vraiment j'en peux plus, vivement, taratata, n'importe quoi. Non. J'en peux plus. Pierre... C'est comme les indignés. Au début, je trouvais que c'était très bien. Pierre... Il faut s'indigner. Si je puis me permettre, je trouvais que c'était bien. Non, vous avez vraiment l'air con avec ça. Ne m'interrompez jamais. Vous serez encore plus ridicule. Vous êtes... Bon, allez, laissez parler Pierre. Oui, laissez parler Pierre. Même le chef vous le dit. Hein? Alors... Si tu gagnes ta vie encore ici, c'est parce qu'on me laisse parler. Alors ferme-la un peu. Alors je disais que ces indignés me tuent. Alors, ces indignés non, mais d'abord, me tuent. Non, d'abord, je veux savoir. Je dis en terre inconnue. D'abord, il s'est fait rajeunir ses cellules. C'est pas possible. T'as vu comment il est remonté là ce matin? Alors, en terre inconnue, ça, j'en peux plus. Qu'est-ce qui a changé? J'en peux plus. Parce que c'est tous les mêmes, les étrangers. Ils vont dans des trucs. Oh. Alors tu vois des demandes. Alors où ils sont? Ils sont au Cambodge. C'est au Vietnam. Alors tu vois des femmes. Oh, t'imites le Cambodgien là. Le Cambodgien. Tu vois des malheureuses avec quoi. Des mains noueuses qui marchent courbées et qui pour aller chercher l'eau mettre sept heures, tu vois. Elles reviennent le soir, le mari les bat, tout ça. Et c'est les mêmes en Afrique, c'est les mêmes au pôle Nord, c'est les mêmes au Cambodge, c'est partout pareil. Le monde est une merde. Pourquoi aller le voir? Pourquoi aller le rechercher? Il y en a marre. C'est des figurantes, c'est tout le temps les mêmes. Ouais, c'est des intermittents du spectacle qui disaient en fait. Ce qui se passe sur mon palier, déjà, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe sur votre palier? Sur mon palier? Ouais. C'est pas ce qu'elle a fait, Madame Martineau. Elle a laissé pisser Zezette sur mon palier. C'est qui Zezette? C'est la chienne à Madame Martineau. C'est le monsieur qui est dans la petite guitoune entre les deux toilettes. La guitoune. C'est quoi? La guitoune. Mais tu t'es cru pendant la guerre d'Algérie? Mais quoi? Tu l'as perdu la guerre d'Algérie, espèce de feignant. Mais c'est pas une petite guitoune, ça, c'est quoi? Une guitoune, on met pas une guitoune. Ben qu'est-ce qu'on dit? On dit, je sais pas, une officine, une pharmacie. Non, mais il mettrait 4-5 croissants, 5-6 brioches dans le petit truc. Il se ferait des couilles en or. Sérieusement. Moi, il y a des matins où j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Ouais, bien sûr. Je paierais bien un croissant 80 euros. Obama. 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 La cuisine sucrée à base de produits populaires qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est de là qu'est partie la catastrophe de la betterave. Ah oui. Oui. Vous vous souvenez l'affaire de la betterave? L'affaire de la betterave chez Péricochin. L'affaire de la relation. Oui. De la betterave chez Péricochin. Oui. Et j'avais dit, c'est-à-dire qu'au lieu de te dire, tiens, il y a un peu de betterave avec de la marge, c'est pas mal, avec un peu de huile de noix, tu vois. Non, là-bas, ils te font des mille feuilles. Oui, Gérard. Non, mais je ne connaissais pas le débat sur la cuisine, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des essais, des tentatives? Non, mais franchement. Non, mais si vous voulez faire des essais, vous allez en Grande-Bretagne. J'adore la cuisine. Pourquoi vous faites des essais nucléaires? Non, pas du tout. Justement, vous adorez la cuisine, Gérard Miller. Non, je ne suis pas un grand spécialiste comme vous. Non, mais c'est l'œcuménisme lacanien. J'ai tendance à préférer la cuisine sans doute que vous aimez. Non, pas du tout. Mais je trouve simplement, Pierre, je vous connais moins, Vermus, mais je trouve Pierre, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu qui sort de l'ordinaire, immédiatement tu tapes dessus. Mais tu comprends le problème, Pierre, c'est que tu serais crédible sur ce sujet. Tu serais crédible, et moi-même je t'écouterai avec attention, si sur tous les sujets où dès qu'il y a la moindre nouveauté, la moindre innovation, qui grosso modo a plus que 60 ans, parce que toi les innovations qui te choquent, c'est depuis grosso modo une soixantaine d'années, chaque fois tu es contre. C'est excessif. Tu es contre tout. Si on te parle d'ordinateur, tu nous expliques que tu connais pas les ordinateurs. Pas du tout. Je veux simplement faire cette La parole est à la défense. Parce que c'est très important.
Je suis pas du tout contre les innovations, je suis quelqu'un de plutôt novateur, justement, et quelqu'un qui suis ouvert, très ouvert. En revanche, je suis contre le gogotisme. Je suis contre tous les connards, comme il y en a près de moi. Bon, non, vous parlez pour qui, là? Qui, dès qu'on leur dit c'est nouveau, même si c'est mauvais, plutôt pourvu que ça soit bizarre, nouveau, et que ça ait un nom anglais, disent « Oh, c'est formidable. Ah, oh, c'est très bien. J'ai mis des machins. Ils ont plus en plus de chaussures. Ils ont des boots. Ils ont des machins. Il y en a marre avec ces conneries. » Voilà, les boots, soyez par gentils. Exemple, c'est une révolution qui a eu à 40 ou 50 ans. Ils considèrent encore que c'est... Plus personne ne porte de boots. Il n'y a plus de... Qui parle de boots aujourd'hui? Tu vas la fermer, ta gueule de Santiago. Non, non. Je trouve que c'est nouveau, donc c'est bon. Est une chose personne ridicule. Oui, mais. Or, vous êtes tous dans ce truc-là. Bon, vive les boots. Voilà. Je suis applaudi, là. Oui. Je suis applaudi par une manchotte ou quoi? On t'entend pas. Ton frère et soeur. Tonon-les-Bains, c'est bien en Haute-Savoie, c'est au bord du lac Léman, c'est oui, ça? Oui, voilà. Exactement, Pierre. J'adore Tonon. J'allais passer mes vacances quand j'étais jeune. Ah oui? Avec mes parents. On allait dans un petit hôtel qui était absolument délicieux. Et on était bien loin de tout ça. Il y avait un poète avec nous qui marchait comme ça. Et moi, je me faisais chier. Je disais, putain, les autres, ils restent en Algérie, ils jouent au volleyball. Il y avait ce petit vent coulis. Et puis, comme on était en Haute-Savoie, ma mère m'avait offert une canne avec un piolet avec un Edelweiss gravé dessus. Et je souhaitais sa mort déjà parce que elle me faisait chier. Oh, mais quelle horreur! J'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait une table de ping-pong dans un café. Parce que c'est très bon ping-pong. Alors qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, de Tonon-les-Bains, moi. Bon. Vous la lavez quel jour, vous, votre voiture, Pierre? Parce que moi, je la lave un vendredi sur deux. Vous allez chez l'éléphant bleu, vous? Non, je vais à la conférence doré. D'un journal que j'ai des intérêts. Et il y a un parking en dessous. Ouais. J'arrive et il me dit bonjour, monsieur Benamou. Je dis bonjour. On vous fait un petit lavage? Je dis oui. Intérieur, extérieur? Je dis oui. On vous fait polissage? Je dis non, merci. Vous devriez, parce que vous avez besoin d'un polissage. Je dis non, pas aujourd'hui. On vous fait les cuirs à l'intérieur? Je dis non. Enfin, j'en ai pour 1,4 million seulement. J'en ai pour 3 briques. Non, mais c'est fou le prix. Et je le fais tous les 15 jours. Et ce que je fais, ce qui est rare, c'est que je l'ai fait même s'il pleut. Ah oui. Ah, question d'hygiène. Hein. Il y a les autres, ils font laver leur voiture. S'il fait beau, pour aller rouler, avoir leur voiture. J'ai une voiture blanche, moi. Hein. Bon. Il y en a qui veulent faire ça pour frimer. Moi, non, madame, c'est pour la santé des gosses. C'est jamais trop cher, la santé des enfants. Tu mets un enfant dans une voiture polluée. Hein, ouais. Ça a l'air de rien. Bah, oui. Il te meurt dans les 4 heures. je me pose une question. La première journée de la fête de la gastronomie, effectivement, et vous pourrez goûter le cassoulet, puisque l'académie. Je ne savais pas qu'il y avait une académie universelle du cassoulet. Mais oui, mais s'il y en a marre avec ces académies universelles de cuisine. Ils pensent qu'à ça. Bouffer. Un repas presque parfait. Oh, vous avez mis. Il y en a marre. Alors, on bouffe pour se nourrir. De temps en temps, on mange un bon truc. Soir. Et en plus, ce sud-ouest qui revient maintenant, c'est la saison du rubis. On a mangé du bon foie. Et après, c'est un bon cassoulet. Mais c'est une vulgarité épouvantable. Parce que j'ai dit pas de ça, Lisette, avant l'émission. Mais moi, ça m'est arrivé, je l'ai dit hier soir. Pas de ça, Lisette. J'avais une envie de pisser terrible. J'ai fait tout le boulevard de Sébastopol. Pas de ça, Lisette. Pas de ça, Lisette. C'est gentil de faire ma gueule. Vous n'auriez pas aimé avoir votre joli portrait par Andy Warhol, Pierre? Mais non, je laisse ça à des abrutis qui croient qu'ils sont modernes quand ils disent pop art. On est d'accord avec tous, on est d'accord avec Christine. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes la définition même de tout ce quoi. Il faut que ça sorte, c'est bien, allez, on en finit aujourd'hui. Allez, allez, on en finit, allez-y. De tout ce contre quoi les gens de culture se battent. Vous êtes la définition même de ça. Vous aimez tous le pop art, et Botero, et machin, et de même là. On devrait avoir Honorin lui-même. Il est là, Honorin? Une fois. Ah ben là, il est là, Honorin.
Honorin est venu en short, Pierre, ce qui est interdit. Non, mais justement, j'ai vu ça, c'est ça, ça m'a rendu fou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis, je vais à Europe 1, je vais être le genre, je viens en short avec mes grosses jambes et mes poils. Non, mais sérieusement, encore, tu serais Joséphine Baker, je comprends. Mon frère, t'es belle canne, mais là, tu viens, tu dis quoi? Non, sincèrement, t'as pas de pantalon, t'as rien? Ben, on prend la Christine Bravo, elle a du pognon. C'est pas possible. Il y en a deux qui sont à mourir. À part ma vieille maîtresse, il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enora Malagré. Il y a jamais une Raymonde Durand, une Nicole si, David. Si, dans les années 20, il y avait une Raymonde Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enora, Pierre. Dans les années 20, j'étais pas née, t'étais déjà grosse. Est-ce que vous êtes très féminine? Un peu. Un peu. Voilà, oui. un peu. Vous vous maquillez? Ça m'arrive. Aujourd'hui, vous l'êtes? J'ai oublié. Vous vous parfumez? De temps en temps. Est-ce que vous portez des talons hauts? Pour affiner la silhouette, oui, de temps en temps. Pour affiner la silhouette. Non, d'accord. Bon, allez, moi, je me casse parce que je vois là, ça va. Il va nous arriver une sportive, femme de peintre, avec des pas maquillée, talons pleins. Mais... Une sportive, femme de peintre, mais ça va pas bien. Et tu sais bien, les femmes de peintre avec des bijoux en bois, des jupes à volant. Ah, il aime pas les bobos chics, hein, Pierre. On est quand même impatients de savoir comment s'est passée la journée de Pierre Benichou. Ah mais c'est vrai, c'était sa première journée de tournage avec Gérard Depardieu. Première et ma seule journée. Pourquoi? Il y en a qu'une. Ils t'ont viré. Mais oui, parce que je fais une silhouette. Ah bon, t'as même pas réplique. Je vais vous dire, voilà. C'est au Grand Prix à Auteuil. Ouais. Heureusement qu'il pleuvait. Ça s'appelle Turf. Le film s'appelle Turf, ouais. Film de Fabien Antoniente. Il est prudent de louer, hein. Ça sort. Je suis là, je parle avec une jeune femme noire, beauté. Je lui ai dit, elle m'a dit, vous connaissez le Brésil? J'ai dit, oh oui, et vous êtes d'où le Brésil? Elle me dit, je suis de la Martinique. Bah, c'est dans le film ou c'est dans la rue, ça? Attends, on nous fait pas ta scène, déjà, on la verra aussi. Non, ça, il la drague, c'est pas dans le film. Ça n'a rien à voir, ça, c'est pas dans le film. J'ai obligé de la dire, c'est ça. C'était dans la loge maquillage, ça. Bon, vous voulez que je vous raconte ou pas? Oui. Comme disait mon oncle, moi l'histoire je la connais, hein, si vous la voulez. On va demander au public, qu'est-ce que vous voulez que Pierre raconte? Oui. Et voilà. Alors je suis là. Alors ils disent, figuration. Alors tous les figurants passent comme ça. Vous êtes avec la figuration. Alors attention, moteur, action. Alors là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendu. Et comme j'ai pas le son, je fais pas n'importe quoi. Ah oui, on n'entend pas ta voix dans le film. Attends, le meilleur arrive. Pardon. À ce moment-là arrive Depardieu. Le personnage que j'ai inventé, que j'ai créé de toute pièce, qui est joué par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Non, mais je m'adresse au public qui ne vient pas tous les jours. Bon, alors donc... Voilà. Depardieu arrive. Il y a Depardieu qui arrive avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu et je fais... T'es là, toi? C'est ça le texte. Ouais, c'est moi. Non. T'es là, toi? Alors il fait... Ouais, hein, et il passe comme ça. C'est on était obligé de la refaire 6 fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Il n'y avait plus. Il en pouvait, non. Il disait, mais non, on la refait, ça te dérange pas, Pierrot? J'ai dit, non. En général, il m'appelle Maurice à cause de Maurice Benichou, parce qu'il me connaît pas bien. Non, Maurice, c'était bien, aujourd'hui. Ben. Mais, voilà, c'est bien. Ça s'est pas mal passé. Ouais. Moi, j'ai donné un avis favorable sur sa façon de jouer. Ouais. Il est formidable. Mais c'est plus qu'une silhouette, si vous avez. Ah oui, si t'as dit quelque chose. Ah, il a fait un. Non, oui. Je sais pas si vous gardez le texte. Mais tu l'as appris, tu l'as répété ce texte, tu le fais vachement c'est bien. Hyper ouais. Non, c'est bien. Vous le faites bien, ça sonne juste. Ouais, t'as fait juste. Moi, j'ai tourné. Alors, je vais vous dire comment je le fais. Je vais arriver, je fais. Te voilà, toi.
Ah ouais. Depardieu, Depardieu, vas-y. Ah, et Depardieu, il me fait... comme ça. Mais tout le monde fait dans le film. Où les enfants préféreraient non seulement ne pas savoir, mais même sachant qu'on fait semblant, qu'ils préféreraient qu'on fît semblant. Mais plutôt, merci, mais bon exemple, docteur Bénichou. Mais si ça se trouve, je ne l'aurais pas dit à Jade. C'est la modernité, il faut pas leur dire. C'est vrai, les enfants de Johnny Hallyday, il faut leur dire ou pas qu'ils ont été adoptés? Ça se trouve, il ne l'aura pas dit. Il a raison, vous voyez, Pierre, c'est un peu couillon ce que vous venez de dire. Non, mais c'est... Si tu veux adopter les Coréens, t'es obligé de leur dire un truc quand même. Mais si t'adoptes les Coréens, il faut leur dire. Il faut leur dire, ton papa n'est pas ton papa. Oh, l'imitation à deux balles. Ah, non, mais c'est nul, Pierre, mais c'est nul. Tandis que moi, j'adopterais un petit maghrébin. Mais j'ai honte de faire cette émission. Moi, j'adopterais un petit maghrébin, je dirais... Oh putain. Tais-toi, Pierre, je t'en supplie. T'es peut-être pas de la famille, t'es comme de la famille. Ah moi, je le ferais mieux que t'es à table. Hein. Stevie, c'est une de nos stars de la station, enfin. Bah oui, mais moi j'étais dans le cavalerie, je l'ai pas Willy. Willy. On entend que lui sur Roumanoff numéro 1. Ah, c'est votre copine, non? C'est vous, Roumanoff? C'est moi. Roumanoff, c'est moi. Non, mais allez, Pierre donc est déstabilisé, il a jamais vu autant de caleçons en une journée. Non, mais c'est fou. Mais nous, on aimerait bien voir le vôtre, Pierre. Pas des vrais caleçons. Ouais, ton caleçon, ouais, Pierre. Allez, montrez-nous. Ah, non, arrêtez. Non, écoutez, non. Comme ça, on leur a fait une bonne fois pour toutes. J'ai bien fait de venir. Allez, Pierre. Non, écoutez, franchement. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Oh non, écoutez, vraiment. Allez, bas les masques. Mais il t'a plu ton film ? Oh bah, comment il me plairait pas ? Ah, je sais pas. C'est un film formidable. Ah merde ! Ça sort quand ? Je te jure, bah, je suis content de le signer. Hein. Ça sort quand ? Ça sort quand ? Hein ? Je crois pas, dans pas longtemps. Non. Si vous aimez le rire et l'intelligence, allez voir ce film. Et en plus, des tas de, vous apprendrez des tas de choses sur le monde des courses. Hein. C'est les yeux. Puis avec des acteurs formidables. Il y a Depardieu qui a pas du tout l'air de se faire chier. On sent qu'il n'est pas payé, qu'il le fait par amour du cinéma. Il y a Édouard Baird, toujours, comme toujours, ne croyant pas du tout à son talent, ni à rien du tout, d'une modestie dans son jeu. Il y a Alain Chabat, qui est pas si nul que ça. Mais il y a le talent, le grand talent. Marie-Christine, elle a dit qu'elle a adoré ce film. Il y a le grand talent de Antoniente. D'Antoniente, quel talent. Et surtout, l'immense talent de M. Sédou, le producteur. Ah oui. On le sent partout, on sent le pognon. Non, il est formidable. Non. Ah, moi, j'ai pas loupé ma soirée. Hein. Il travaille sur un film. J'ai pas loupé ma soirée, d'ailleurs. C'était où cette avant-première? Oh, c'est au cinéma Le Marignan, des gens qui étaient là et applaudis, machin. Chaque fois qu'il y avait une réplique de moi, la salle crouait sous les applaudissements. Je suis parti en week-end le lendemain, j'ai presque oublié maintenant. Bah en tout cas, elle a l'air d'avoir aimé Élodie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit alors? Ah ben, elle dit qu'elle vous avait en chair et en os, que vous étiez beau gosse, oui, qu'elle a aimé le film, voilà. Qu'elle a trouvé ça très 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 réussi. Ouais, vous voyez, c'est réussi. Non, sérieusement, ça je peux vous dire. Enfin, je vous en parlerai la veille de la sortie pour que ça serve à quelque chose. Mais vraiment, si vous avez un peu de pognon, vous me le donnez tout de suite et je vous ferai avoir des places à demi-tarif. Le courage, justement, d'être antipathique, formidable, et qu'il ait dit ça, que j'aurais pu dire, en effet. C'est étonnant que tu aimes bien Houellebecq, alors que ça, il me semble concentrer tout ce que tu détestes, pourtant. Tu as dû être dans un dîner un jour, quelqu'un t'a dit ce nom, tu t'es dit, ah ben, je vais être de ce côté-là, parce que je ne vois absolument pas pourquoi tu l'aimes. Qui a mis ça là, puis qui n'a pas balayé? Ça, je dois dire qu'il a par moments des répliques, quand même, qui m'épatent. Dans quel coin de ta tête est-ce que ces répliques formidables sont logées? C'est vrai. Qui a mis ça là et qui n'a pas balayé?
Ça, c'est très très drôle. Je la note celle-là. Ah, mais, elle est très bonne. Oui. Si je recroise une merde dans ma vie. Alors, c'est qui qu'a mis ça là, pique à pas balayer. Ah, oui. Mais il faudrait demander peut-être quelqu'un qui vient d'acheter une maison à la campagne. Pourquoi? Si l'accueil a été bon, tout ça. Les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. On a des gentils, des pas gentils. Non, ils sont la plupart. Ils sont pires. Ah bon? Ah oui, ils sont pires à la campagne. Qu'est-ce qu'ils sont pires? Ah, ils sont pires, ils sont là. D'abord, ils sont pauvres, ils sont mauvais. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Mais enfin, on a des auditeurs de la campagne charmants qui nous écoutent. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. De Truy jusqu'à Deauville, c'est pareil. C'est... Mais c'est-à-dire, il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des pas cons. Le pire, c'est les Provençaux. Les Provençaux. En Provence, la Provence. Eh bien, tu mangeras des thènes, du romarin, du machin. Ils sont là pour prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille et piner ta gonzesse et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience. Ah non, mais je te jure. Et les gens du Nord aussi, oh, ils sont rudes, et les gens des Vosges, et tout, de la Vologne. Oh là là, mais quelle horreur! Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre! Avec les prés. Ils mènent les vaches aux gens, oh là là! Oh là là! Puis ils baissent leurs gosses! Il faisait tellement froid hier soir, j'étais obligé de prendre les couvertures aux gosses, dis donc. Ils volent des voitures. Mais non. Ils ont trouvé dans le public. Levez la main ceux qui ont deviné et trouvé dans le public. Oh, voilà, regardez. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bah, si vous êtes tellement malin, vous n'avez qu'à venir à votre place. Non, merde. Jusqu'à quand on va être humilié comme ça? Ah, dans le public, ils ont trouvé. Bon. Je suis sûr que vous seriez capable. Attendez, chiche. Levez la main ceux qui ont trouvé. Voilà, venez ici, vous allez prendre les places de mes camarades. Venez. Voilà. Olivier, combien de fois vous avez passé votre permis, vous, déjà? Deux fois. Ah oui, c'est pas mal déjà, donc vous n'êtes pas très bon non plus. Alors. Mais vous l'avez. Parlez dans le micro. Et Pierre, faire des choix dans la vie. Hein. Pourquoi je mettrais seulement 150 000 euros dans un appartement alors que j'en ai des millions et des millions? Je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois Bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, à une catégorie de gens qui lui donnent à manger, comme les campagnards et les paysans. Oui, ils étaient 70% il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population, on ne va pas nous casser les couilles. Fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique, mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils, ils vous écoutent. Ils ne sont pas gentils du tout. Non, ils recommencent. Ils continuent. Essaye de demander un œuf à quelqu'un là-bas. Ah, oh, bon, alors là, c'est que les œufs. Faut pas le relancer. En ce moment, on les vend quand même 12 ans. Alors, oui. Ben, s'ils sont bio, ben, un peu qu'ils sont bio, mon grand. Bon, oh, tiens, il y a Marie qui est là. Tiens, Marie. Ah, la Marie, approche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Non. Ça, c'est les mieux. Si, il y a que plus qu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. Oui. Voilà, il faut savoir ça. Surtout pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent, paraît-il, ils disent waouh, j'ai peur. Comment il fait le chien? Bon, le chien fait miaou. Pierre, la vache. Mais non, allô, mais je ne suis pas retombé en enfance, ce sont mes camarades. Tu vois un chat dire un cochon, autre chat. Cochon, tu vas finir à la verrière, sérieusement. Comment il fait le cochon? Hein? Comment il fait? Non, c'est bon, je peux vous faire des trucs très amusants. Fais et la biche, comment elle fait la biche? Ouh. Et je vous fasse à l'autre, le loup. Ouh, il est méchant, le loup. Hein. C'est le plus méchant, le loup. Mais c'est n'importe quoi. Et le mouton. Le lion, il fait. Et le mouton. Il rugit. Hein? Le lion. Il rugit. Et les petits moutons, Pierre, il fait comment? Alors, il va sortir, ce même monsieur, une eau minérale bio-énergétique. Non, monsieur, on ne prendra pas votre eau minérale. Vous avez eu la santé de nos enfants. Vous voulez quoi aussi? L'Unaqua, ça s'appelle. Et si je vous parle de cette eau minérale. Salopard. Bio-énergétique. Salopard. Reste en Autriche. Hein. Et tes 3 milliards, ils vont te servir à aller au pharmacien, tiens, salopard.
Ordure. Fumier. Ordure. Mais ils savent pas qu'ils ont perdu la guerre ou quoi? Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de travail à la maison. La même place. Tout le monde n'a pas la même place. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Mais. Bah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça la vie aussi. Non, justement. C'est-à-dire qu'à l'école, t'es censé être un peu égal. Quand t'es chez toi, c'est différent. Les devoirs, ça devrait être à l'école. Bien sûr, moi, quand j'arrive à la maison, j'étais obligé de dire à mes parents. Le corbeau, le renard, Jean de la Fontaine, des communs. Tu comprends? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents comme ça. Après, ils disaient, 2 x 4, vite. Mon père disait, pourquoi t'aimais pas 9? Tu dis que le monde. Oh, les femmes de la Fontaine chez Pierre, c'était la babouche et le chameau. C'était très dur, moi, quand j'étais élève. Il faut sortir de l'autoroute et c'est dans les zones industrielles qu'il faut rêver. Trouver. Pardon ? Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse taire. Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez été à la fois déçu et surprise par la réaction de Pierre Bénichoux. Vous dites même comment un homme aussi brillant que Pierre peut avoir une idée aussi stéréotypée appartenant à la bourgeoisie parisienne. Hein, c'est vraiment ce que vous pensez, Marie ? Oui. Exactement, c'était concernant les gens de la campagne, monsieur Bénichoux, vous n'avez pas été très sympa. Vous avez dit que nous étions des gens sales, idiots et pauvres. Voilà. Oh la Marie, moi je suis pas la bourgeoisie. Oh. Moi je suis d'origine immigrée. Et en plus de ça, fils d'ouvrier, je suis pas de la bourgeoisie. Vous êtes à toi, tu es de la campagne, bravo, reste-y. De la campagne Tourangelle, Marie. Oh, j'adore la Touraine, il n'y a pas plus beau. Vous avez une analyse très intéressante. Vous dites, j'avoue que je ne pourrais pas vivre à Paris. Et cette phobie qu'ont certains Parisiens purs et durs comme Pierre Bénichoux est en fait une vision minimaliste et rétrograde de la province et surtout des gens qui aiment la solitude. La campagne, en fait, pour eux, c'est un face-à-face avec soi-même. J'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est sous forme de question. C'est « et ta sœur ». La deuxième chose, je dois vous dire, quand vous dites qu'à Paris, on ne vit pas pour l'autre, on ne vit pas avec l'autre, et vous dites « c'est transport en commun ». Le nom même, c'est « en commun ». On est obligé de vivre tous les uns avec les autres. À la campagne, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas plus individualiste que les gens. Oh, alors, c'est le chant du père François. Alors, il est arrivé là, il est arrivé sur mon champ. J'ai pris mon fusil avec mes chevrotines. C'est une horreur. Mais absolument. C'est la campagne d'il y a 70 ans, ça. Mais c'est toujours la même. Donc, vous êtes resté dans votre cagibi. Non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est chaque... Ta luxe, c'est 4 tridents. J'avais pris luxe, 4 tridents. J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère tellement c'est cher. Et alors donc, j'étais là. Et on me dit, ah, mais là, je dis, j'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur le... Sur la mer. Dans la mer. Ah, dis, vous tapez dans le 5 tridents. Des égyptologues, nous. Ah oui, c'est lui qui a succédé à Sadat. Exactement. Et il a pris Sadat. Mais oui, parce que comme Sadat a été tué, Sadat, ils ont dû nommer quelqu'un par intérim. Sadat est before Moubarak. Le premier président de la République, ça a été Nasser, ensuite Sadat, et avant Moubarak, entre Nasser... Farouk. Non. Ça marche avec les CRS. Ouais. Tu t'approches avec Karine Arthur, tu attires le regard, tu peux faire une très belle photo de CRS. Mais surtout, il fait comment le chien? Mais ça, je sens que tu vas y aller, toi. Laurent, tu pourrais y aller. Y aller, Laurent. Non, le chien, il fait pas meuf, Pierre. Si. Non. Oh, c'est tonton qui m'a dit. Comment il fait le chien, Pierre? Non. C'est pas bon pour ça, là. Ah, ouais, je sais. Miaou. Ah, je fais tous les animaux, mais c'est bon. Je fais tous les animaux, seulement je me gourre. C'est parti. On a un coup de... Je suis désolé, c'est de ma faute. Vous voulez d'autres questions? Ah oui. Vous voulez d'autres questions? Ah oui. Vous voulez d'autres questions? Ah oui. À la une du Figaro, on peut lire. C'est une petite maison claire au toit penché. Je vous lis l'article tel quel. Ah oui, vas-y, Gomard. C'est
Excuse-moi, on va faire un changement structurel maintenant. Oui. On va, au lieu d'avoir toutes ces tronches de mecs au premier rang qui n'ont aucun intérêt, on va mettre que des femmes au premier rang et les hommes au deuxième rang. Non, mais comme ça, on aura des minois. Oh. On aura des... C'est pas possible, bon, tous ces mecs là. J'ai de mon temps. Vous allez me regarder comme ça. Mais non, c'est pas ça qui va me faire virer de bord. Tu sais, vous savez, les enfants, comment on a. C'est pas ça qui va me faire virer de bord. Mais c'est vrai. Ils me font tous des sourires, ils sont charmants et tout, mais là on n'est pas dans un vestiaire de sport ici. Tiens, mettez les gonzesses si vous avez le courage. Tiens, Pierre. Ah, ça veut dire. Non mais c'est vrai qu'il faut. Et on dit, c'est notre jeunesse, Claude François. Et t'écoutes le Drucker, il dit ah oui, j'ai connu Claude François. Tu sais comme tu disais, j'ai connu Sartre, tu vois. Bah oui, mais Claude François, Claude François, il m'a montré des trucs. Ça a été la rencontre capitale de ma vie, ma carrière. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Claude François. Faut voir l'imitation visuelle là. Moi je comprends pas pourquoi ils ont pris Jérémy Régnier. Alexandrie, Alexandra. Avec Pierre Bénichou. C'est une chanson d'Étienne Rodagile, Alexandrie, Alexandra, ça devrait vous plaire, Pierre. Oui, mais quand même. Non, mais Claude François, on en fait maintenant. Mais oui, est-ce que le deuxième film est aussi bien que le premier qui s'appelait Podium? Podium. Non mais sérieusement, parce que là, t'as vu la lourdeur d'éléphant quand il danse. Non mais il dansait pas toujours. Il y avait des chansons aussi un peu plus romantiques. L'éléphant ne plaît. Et My Way. Et comme d'habitude. Alors. Ouais, comme d'habitude, on me répond ça. Oui alors. Pauvre petite fille. Comme d'habitude, non, tu m'attends le verre. Et tu connais le café au lait. Comme d'habitude. Il est vide, donc je l'occupe. Comme je cherche un appartement, j'ai trouvé le sien. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez tous acheté des appartements? Vous êtes plus payé que moi, c'est pas possible. Mais toi, t'en avais pas. Moi, j'ai toujours été le plus payé partout où je suis passé. J'ai pas une cabane en bois, moi. Et ces gens-là, bah, si tu payais. Des appartements. Si tu faisais péter moins de bouteilles de champagne, hein, t'aurais ils ont pas les mêmes. Pierre, parce que lui, c'est vrai, il est au bouchon. Ils ont juste pas, pas le même mode de vie que nous, Pierre. Voilà. Tu crois que c'est Don Pérignon qui m'a tout pris? Non mais c'est vrai, Pierre, que c'est pas normal que vous soyez pas propriétaire. Et avec le pognon, avec le pognon que vous avez pris partout. Incroyable. Je l'ai rendu le pognon, moi. Je suis un homme de gauche, moi. Je suis pas thésaurisateur. Ouais. Comme vous. Bon, tu l'as claqué, quoi. Pas un machin, non, je dépense. Mais non, t'es trop crédit sur 40 ans, tu vois. T'es trop vieux, là. L'autre jour, je suis allé voir mon médecin. Il y a 3 ans, à peu près. Je suis allé voir mon banquier. Mon comptable. Et je lui ai dit. Je voudrais acheter un appartement. Alors, il me dit ce qu'il m'a dit. Il me dit pour vous. Alors je dis oui. Une garçonnière. J'avais envie de lui dire que tu vas prendre mon pied dans la gueule. Et alors je dis oui pour moi. Il me dit à Paris. Dis non à Bagdad du con. Alors je dis oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis ben, je sais pas. Je voudrais une bonne truc. Je voudrais 120 mètres carrés, un truc qui soit bien comme ça. Alors il me dit vous avez quoi comme patrimoine? Je dis ben c'est à vous qu'il faut le demander, votre comptable. Ah, je croyais que vous aviez des biens. Je dis, ah non, mais comme je gagne bien ma vie, je peux payer tous les mois. Il m'a fait le calcul, il me dit, oui, il faudrait payer 3 500 € par mois pendant 35 ans. Pour un deux pièces. Et vous aurez un deux pièces sur, ta bagnolet. Entre la Bastille et le... J'étais fou de rage, fou de rage. Attendez, Pierre, il y a un truc qui m'épate là-dedans. Il y a une autre anomalie dans votre vie, outre le fait que vous ne soyez pas propriétaire. Pardon, mais ça me fait mourir de rire. C'est que d'un comptable. C'est qu'il a un comptable. Oui, c'est ça. Parce qu'il doit avoir une société. Ouais, t'as une société. Vous avez un comptable, pourquoi? J'ai une société. Enfin, pourquoi vous avez une société? C'est le seul qui a des notes de frais à 4h du matin dans des boîtes de nuit. Ouais, j'étais avec des clients. Pourquoi j'ai une société? Pour pas te ressembler, du con. Regardez-moi que j'ai une société à la limite. Oh, pourquoi moi, pas... j'ai une société, tu vois pas non plus. Il va pas se prendre pour Michel Drucker, bientôt, non? Tu veux pas qu'on te fasse un biopic? C'est un chef d'entreprise, lui. Chef d'entreprise, tu vois. Il est propriétaire, Jujou ? Non. Non, mais il va l'être bientôt. Ça, les copropriétaires. Je vis dans un immeuble. Ouais. Immeuble, on dit immeuble. Oui, immeuble. Yes. Immeuble, que je suis le seul locataire. Ah ouais ? Tous les autres, c'est des proprios. Et alors, ils te regardent de haut ou pas ? Je les emmerde, moi.
Non, patronage. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. C'était magnifique. Très allez, belle chanson, mon vieux. Allez, chez nous, il n'y avait pas la télé. Allez, là, bah, viens pour la télé. Il veut même pas les laisser chanter. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires de pauvres? Chez nous, il n'y avait pas la télé. Alors, vous ne croyez pas qu'on va faire la télé pour tout le monde? Non, ça veut dire... Sting. Sting. Bonne réponse de Caroline Diamant. Le Daniel Guichard anglais. My old father. We haven't the telly. In my top coat. Rotten. T'as l'anglais avec l'accent Camille. Non. Summer, winter. My old man. Oh non, on devrait faire ça, on traduit les... We didn't have the TV. And we receive very few. Mon vieux. Parce que je suis obligé de mettre une phrase française de temps en temps, tu vois. Ouais, bon. Normal. Mais dites-lui surtout que je l'aime. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est charmant. Oui, oui. Pour une fois, on n'a pas des gens qui disent, regarde-moi, je suis obligé de venir avec elle, cette tronche et tout. Non, non, pas du tout. Lui, il dit ça, il dit qu'il l'aime. Et ils sont charmants tous les deux. Vous êtes gentils, c'est la dernière fois que vous portez un short en ma présence. Ah oui, ça je le signale aux auditeurs. C'est important de le dire. Non. Le mec avec des shorts et leurs jambes poilues et tout. Mais ça vous avance à quoi? C'est laid, c'est pas plus pratique. Vous passez pour je ne sais quoi. Elle va vous quitter avec ses bagues. J'ai des belles bagues. C'est le mec qui vient de se faire avoir parce qu'il pensait que le problème c'était les bagues de sa gonzesse. Non, c'est vos jambes le problème, monsieur. Non, Pierre vrai, déteste les auditeurs en short. Je ne sais pas pourquoi. C'est mais l'été oui, encore, on, Pierre. Oui, mais on met des shorts quand on va faire la varappe. On va faire des promenades. Tiens, varap, c'est un peu comme nacelle. C'est comme nacelle, varap et tarmac, c'est bien. Ouais, nacelle, varap et tarmac, c'est le titre de mon prochain roman. C'est un peu d'érudition. Non, mais sérieusement, on met des shorts pour faire certains sports. On met pas des shorts pour sortir dans Paris. Surtout aux Champs-Élysées. On est près de... N'oubliez pas qu'on est près des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde, mon petit gars. Et tu traces la prochaine fois. Un jour, ma sœur me dit tu veux pour ton anniversaire? Alors, je dis rien du tout, comme on dit toujours. Mais si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui dis, tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé, je trouvais jolie. Je me dis, bon, je peux acheter maintenant. Alors, elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Ouais. Comme j'avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça, je ne les essaye pas. Je dis, oh, quelle chance, c'est bien. Et puis, je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. T'es pas non. comme un enfant, tu les mets alors, pas tout de suite. Non, moi, tu peux savoir, des fois, je fais faire des trucs. Je laisse 2 mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça. Non, pas du tout. Oh là là, moi, je suis pas le mec facile. Moi, j'attends un peu. Vous rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, je rentre pas. Et alors, la type, j'en enfile une. Elle est bonne. Voilà. Elle est bonne. Bon, l'autre, j'essaye de l'enfiler. C'était les 2 fois le pied droit. Ah ben non. Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, parce qu'ils sont cons. Ça m'échappe l'histoire. Et je mets mes 2 chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre la prochaine fois que j'y vais. Quand je passe par là-bas, bon, j'attends un mois ou deux. Mon anniversaire, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, oui. Et je chausse du 42,5. Et du 9. Et je passe en voiture plus loin. Un mois et demi plus tard, je m'arrête devant. Et je prends, et je dis à la vendeuse, je dis, tu t'ennuies avec moi? Non, j'écoute. J'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Je fais pas le même métier que toi, moi. Bon. Alors donc. Je t'écoute. Bon oui, c'est pas ça la religion. C'est quoi? C'est la religion, c'est agenouiller avec les bras sur son prix Dieu. Oui, non. Aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors vous rentrez dans le magasin. Et alors j'entre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte? Non. Vous m'avez donné 2 pieds droits et la vendeuse me regarde, elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que... aucun problème, on va vous les changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil. Ça donne les 2 pieds gauches, du coup. Mais quand même, comment vous faites un truc comme ça? Aucun problème, monsieur. Je dis, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai 2 pieds droits. Ah, mais non, aucun problème, on va vous les changer. Je dis, mais enfin,
ça pose un problème. Si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait ? Aucun problème. Je lui ai dit, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, puisque vous me donnez l'honte. Mais c'est pas à vous de dire ça. C'est pas à moi, aucun problème, si vous voulez, je t'en... Elle m'a dit aucun problème. 60 fois, j'ai failli casser le magasin. Et encore, c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci. Pas de souci. Non, mais c'est, ça rend fou. Il y a un lien avec la journée de la gentillesse au volant ou c'est pas du tout la même chose? Rien à voir, ça c'est la journée de la courtoisie au volant. Ah oui, faut pas confondre la courtoisie puis la gentillesse. Ok, d'accord. Bon, en même temps, ça, c'est pas le jour. Ça, tu t'en prends une dans la tronche. Ok, d'accord. La courtoisie, c'est une chose, c'est quand t'es poli. La gentillesse, c'est quand t'es aimant. Tu comprends? Pas très bien. Un exemple. Non, parce que tu peux être gentil avec des gens que t'aimes pas. Michalak s'appelle. Michalak. Ah, c'est très français, ça, comme nom. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'était polonais? Ouais. Moi, je dis, il est plus polonais, il est français, comme toi et moi, si on peut dire. Et il y avait... Oh, vous êtes des cons. Oh, bien sûr, c'est ça, oui. Vous étiez plus toi, heureux pendant l'occupation, vous. Tu pourras nous raconter l'Indochine après. Ils sont tous là, des têtes... Il avait raison, le pauvre de Gaulle, hein. C'est des veaux. Hein. Ah. Il te regarde comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? On est des masques qui regardent pas ceux, TGV. Ceux qui sont allés jusqu'au bac, ils disent, oh, ben, c'était pas mon programme. Et les autres, ils disent, qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission? Mais vous n'êtes pas digne de nous, public aimé. C'est au public qui s'en prend. Public. Ah, oui. Je croyais que c'était à nous. Ça change. Mais non, vous êtes des illettrés professionnels.